Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous voir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va vous aider à améliorer votre game en matière de professionnalisme, en matière de carrière. Si vous voulez attirer l'attention des recruteurs, par exemple, sur votre profil LinkedIn ou sur vos différents réseaux sociaux, si vous voulez que les gens passent plus de temps sur votre profil, si vous voulez que les gens même vous écrivent pour demander si vous êtes disponible pour des jobs, je pense que ce que je vais vous montrer va beaucoup vous aider. Il s'agit de créer une photo professionnelle en quelques minutes avec l'intelligence artificielle. Mais avant de partir plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo dès maintenant et à la partager. Ok, pour toucher le maximum de personnes, parce que je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont peut-être à la recherche d'un emploi ou qui ont déjà un job, mais qui veulent atteindre le next level. Ok, donc on va voir comment créer une photo professionnelle. Comme vous pouvez le voir, j'ai moi-même fait ça. Ok, sur mon profil LinkedIn, vous voyez comment c'est pro. Avec le costa et tout, nice, clean. En temps normal, vous allez devoir payer cher pour avoir ce genre de photo. Vous allez devoir voir quelqu'un qui est très bon en tout ce qui est photographie, tout ce qui est design et tout, pour qu'il vous fasse quelque chose comme ça. Mais moi, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle en quelques minutes. C'est ce que je vais vous montrer, ok? Et regardez comment ça embellit un peu plus mon profil LinkedIn, n'est-ce pas? Je sais que quand vous voyez ça, vous dites « Wow, c'est clean ouais, ». Je sais que c'est clean. Complètement clean. Ok. Donc, il y a un outil qui s'appelle Leap AI. Donc, vous partez sur tryleap.ai. Ok. Tryleap.ai. C'est une plateforme où vous pouvez générer des avatars. Ok. Mais c'est pas comme tous les avatars que vous voyez un peu sur TikTok et tout, non. C'est vraiment très très professionnel. Donc vous partez sur Tryleap, vous créez un compte, ok? Moi j'ai déjà un compte, vous créez un compte. Et pour pouvoir utiliser la fonctionnalité dont je vais parler, il faut juste que vous payiez 5$. Les gars, 5$ c'est 3000 francs CFA, c'est pratiquement 5€ aussi. Donc sincèrement, je sais que vous dépensez plus que ça dans la semaine. Donc mettez l'argent sur votre carte si vous n'en avez pas. Et aller payer cette inscription. Ok? C'est mieux que payer des centaines de dollars quelqu'un qui va vous faire un travail qui ne sera même pas d'une aussi très bonne qualité. Donc, une fois que vous créez votre compte sur Tryleap AI, vous aurez ce tableau de bord qui est là. Ok? Et dans le tableau de bord, vous cliquez sur Models. Ok? Quand vous cliquez sur Models, vous pouvez créer différents modèles. Ok, leur donner des noms et tout. Moi, j'ai déjà créé un modèle de type homme et tout. Donc, vous partez sur Create Model. Cliquez sur Create Model. Vous allez pouvoir choisir si c'est femme, homme, chien, chat, etc. Ok, donc mettez homme. Vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Hein, David, pour moi. Ok. Et vous allez entraîner le modèle avec vos photos. Comme vous pouvez le voir, voilà les instructions ici. Ok, choisissez des photos de qualité. Voilà trois photos, trois exemples qui sont de bons exemples. Ne prenez pas ce genre d'exemple, ne mettez pas ce genre de photos là où on voit pas bien votre visage ou bien vous êtes de profil et tout. Ok, donc vous choisissez vos fichiers. Ok, moi j'ai déjà choisi et tout. Et vous cliquez sur Train Model. Ça va prendre apparemment 20 minutes. Vous pouvez aller prendre un café ou regarder une vidéo, peu importe. Et après les 20 minutes, votre modèle va être prêt. Ok, quand votre modèle va être prêt, vous allez toujours dans modèle et vous pouvez utiliser votre modèle. D'accord, vous pouvez cliquer sur use. Ou bien si vous êtes toujours sur la page de création du modèle, je pense qu'ils vont mettre un bouton use in playground. Ok, vous cliquez use in playground. Ou bien vous partez directement sur la liste de vos modèles et vous cliquez use ici. Ok, quand vous cliquez sur use, vous voyez là c'est mon ok. Là, je viens de me rendre compte que le Use in Playground est dans la page de votre modèle. Donc, vous partez dans la liste de vos modèles une fois que le modèle a été généré et vous cliquez sur votre modèle. Et voilà les photos que moi j'ai mises, ok, pour entraîner le modèle. Et ensuite, vous faites Use in Playground.
OK? Quand vous faites use in playground, vous avez différents templates, OK, qui sont à votre gauche ici. Et vous choisissez, il y en a deux, il y a ce template là, comme vous pouvez le voir, il y a un prompt qui apparaît. C'est en anglais, mais pratiquement c'est un prompt pour une profil de pour une photo de profil LinkedIn. Ils ont, c'est vraiment des instructions de prompt, OK, professionnel, veste, un costard pro, photographie professionnelle, etc. OK, vous pouvez choisir ça, vous pouvez choisir cette autre option aussi. C'est la même chose, c'est même LinkedIn. OK, donc quand vous choisissez et que vous cliquez sur generate, ça va prendre quelques secondes, je dirais, pour générer. Et voilà, vous aurez votre photo professionnelle. J'ai essayé plusieurs autres types de templates, mais vous pouvez voir les autres templates professionnels, les autres, le rendu professionnel que ça a fait pour moi. Vous voyez le rendu pro. Et moi, et c'est la photo là que j'ai choisi ici, comme vous pouvez le voir. OK, vous avez plusieurs autres modèles que vous choisissez au final. OK, et voilà, ça a créé d'autres modèles. OK, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez cliquer encore sur generate, ça va régénérer. J'aime bien cette image là, vous voyez, parce que je suis un peu en forme là, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas mal. OK, j'aime bien ça, ouais, c'est super cool. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, OK? Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin, j'oubliais de le dire, si vous avez besoin d'aide pour avoir un profil LinkedIn en béton comme le mien et pour avoir des recruteurs qui rentrent dans votre PV pour vous demander si vous êtes disponible pour des jobs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, d'accord? J'ai une excellente vidéo pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.